Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment faire ses courses sur un Escape from Tarkov tout simplement. Et ben en fait, il faut aller sur Interchange, d'aller à Auchan, il faut survivre. Enfin, il faut survivre. Plus escave déjà, et en fait, une fois que vous allez dans le Auchan. Ils sont spawnés partout! Bon, ça tombe bien, j'ai des quêtes d'escave à faire. Voilà, donc là, vous allez dans le Auchan qui est au sortie centrale d'Interchange. J'ai jamais vu autant de cas spawner dès le début d'une partie. Donc là, on est au champ, vous voyez. Il y a le logo. Et vous allez tout à gauche du magasin. Et là, vous allez voir qu'en même pas moins de 5 minutes, vous allez vous retrouver avec des stocks de nourriture qui sont... Ils vont vous tenir peut-être, je sais pas, pendant 30, 40 raids, ça dépend après la consommation que vous avez. Là, vous allez bien au fond du magasin. Et voilà, et là, à partir de là, si vous avez une petite lampe torche, vous pouvez l'ouvrir. Ça va faire quelques reliefs. Vous allez vous ramasser tout ce que vous avez besoin. Si vous êtes en dèche, vous voyez ça. Même ce genre de canette, ça se revend 18 000 roubles, par exemple, si jamais vous n'avez pas vraiment besoin et vous avez besoin d'argent. Là, vous voyez, vous pouvez trouver toute la nourriture qu'il vous faut en à peine un temps record. Bien sûr, après, le but, ça va être de s'extraire. Hein. C'est bien sûr le métal le plus safe. Donc, il faut bien regarder parce que c'est bien caché quand même. Hein, c'est pas forcément. Des fois, ça bug. Vous voyez, regardez. C'est de jus. Là. Du mieux avec un petit sac classique, un SCAF BP. Là, vous en avez dans les racks. Là. Là. Là aussi, pareil. Hein. Donc là, faites attention parce que vous vous rapprochez du centre. Là. Là du lait. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à looter. Et après ça fait un peu de poids, c'est sûr, hein, forcément. Hein. Et au moins vous avez de quoi manger. Vous avez simplement besoin de vous extraire. Donc là il y a un peu encore du coca, 30 000 roubles. Voilà, grosso merdo. Faut venir dans cette partie-là du magasin, à Auchan, les caisses dans votre dos à gauche, et vous avez... de quoi manger et de quoi boire pendant un petit moment. Quand vous partez en expédition, et ben là vous êtes pas forcément à court. Et même là, de tête, là, si vous revendez tout, vous pouvez vous faire au moins 150 000 roubles. Donc en soi, c'est pas non plus négligeable. En plus, hein, tant que vous ramassez une canette de coca, mieux c'est. Donc vous voyez que vous pouvez faire les stocks très rapidement. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer ça, au cas où il y en a qui ne savaient pas. Au moins, maintenant, vous le savez. Très important, un pouce bleu, s'il vous plaît. Pouce bleu, un abonnement, un commentaire. Mais surtout, le pouce bleu, ça aide pour l'algorithme de YouTube à me faire remonter dans les recommandations. Après, vous pouvez même aller derrière, je crois. Je crois qu'il y a un peu moins derrière. Le pouce bleu, le commentaire, le partage, si vous pouvez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Banzai.